Re de cette fatigue. Pourquoi je vais, je sais pas. Mais re, on est rendu dans la deuxième partie de cette vidéo de YouTube. Direction Windscore. C'est pas parlé, Felix. Je pense pas que c'est là le stade. Donc, on va aller voir le stade, direction le stade de Windscore. C'est parti. Cette distance d'affichage, genre les postures pop comme ça. Allez. Je sais qu'il y a un truc, un tube ici. Stade de Windscore, c'est parti. Ah, je vais appuyer sur mon nom. Plus une mention 3 et une miasse. Voilà. Ça doit être là le set de Windscore. Parce que ça a l'air d'être un set Pokémon. C'est parti pour la ligue. Voilà la réception. Et tu sais quoi? C'était le premier à m'inscrire. Le premier, tu crois que c'est un signe? Moi, ouais, premier inscrit, premier sur le podium. D'accord. Bienvenue Esmeralda. Nous avons suivi votre performance tout au long du défi des arènes. Permettez-moi un instant de vérifier votre collection de badges. Moi j'ai tout ce qu'il me faut, je suis prêt à t'affronter. Par contre, je crois que Travis ne sera pas de la partie. Enfin, ça reste à voir. Quelques autres me disent qu'il n'a pas dit son dernier mot. On verra bien. Viens, allons poser nos affaires au vestiaire. Tous les sénateurs qui ont réussi le défi des arènes face aux champions participent au tournoi des médaillés. Si vous avez tout ce qu'il vous faut, vous pouvez vous rendre sur le terrain du stade. Oh, c'est parti. Tout. C'est peut-être le dernier répit, la dernière partie de l'histoire principale. Donc c'est parti. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Oh, Rosemary. Hein? Je savais que tu raffolerais tous les badges et qu'on se retrouverait ici. À la base, je me suis inscrite au défi pour mon frère et pour Smashing. Mais au final, c'est surtout pour moi-même que j'ai envie de devenir maître. Donc, ton équipe et toi, je vais vous remballer presto. Enfin, gentiment quand même, hein? Rosemary, la dresseuse veut se battre. Allez, on voit un léopardus, parfait. Donc un Pokémon de type ténèbres. Et il y a les Dynamax qui sont activés. Je veux te battre et devenir maître. Parfait, mais je vais pas utiliser mon Dynamax tout de suite. Double pied. Que je vais te faire vraiment mal. Ouais, parfait, ok, j'ai du one shot, parfait. Mais one shot. Tout shot, puis c'est double pied, je sais pas. Bagaïd. Type combat aussi. Il est de type combat, mais. Paf, je me suis trompé. Pas grave. Double pied peut faire mal. Tourmenté. Fuck, je suis tourmenté. C'est vrai. Non, il faudrait ténèbre, non? Je sais pas. Mais j'ai one shot, ça va, avec un coup critique. Parfait. Quatox. De type poison. Je sais qu'il est de type poison. Mais qu'est-ce qui est efficace contre poison? Je m'en rappelle plus jamais. Je pense que c'est sol. Mais est-ce que c'est Pokémon qui a été attaqué de type sol? Je ne pense pas. On va prendre Covalius, vu qu'il est tout seul, contre AC c'est inefficace, donc au moins, comme ça il pourra pas me faire trop mal. Quatox.
Ah, c'est super efficace pour Beck Vril, je savais même pas. Je sais pas pourquoi. Mais quel type aussi, quoi, Tox? Il combat, je crois. Donc c'est peut-être pour ça. Morpeko. Il n'est pas de type électrique. Je crois que oui, mais bon, je vais prendre mon Pyrobut contre Morpeko. Vu que c'est le Pokémon un petit peu signature de Rosemary. Double pied. Oh, peut-être qu'il est juste normal en finale. Je sais pas. Et presque one shot. Étincelle. Waouh. Les vieux vénères. Morpeko pas content. Oh, il lance une guérison quand même. Parfait. Mort. Pas one shot, mais bon. Tous ces deux fois. Torgamon monte de niveau. Un Goliath. Je sais pas c'est qui un Goliath. Avec moi je vais gagner, tu vas voir. C'est son dernier Pokémon. Zimazine. Ah c'est lui, des ténèbres. Vu que c'est son dernier Pokémon, j'ai envie de faire. Pusillo max. Go. Ah la batterie ferme. Oh my god, oh my god, oh my god. C'est quoi? Oh merde, j'en ai pas. Fuck. Qu'est-ce que tu fais? On verra ça après. Parce que j'en ai pas. Oui, j'en ai un avec moi. Pardon. Je suis occupé, là, je suis concentré. Ok, il fait aussi du Dynamax, parfait, je me sens pas sale. Je l'ai. Et parce que ça va pas être fait. Je vais trop regarder. Pourquoi il est pas mort? Il a pas fait de mal? Je sais plus. Ah non, je ne l'avais même pas quand c'était juste pour ça. Ah merde. Il est résistant. J'ai pas hâte de débrancher ma truc. C'est bon. Je suis à fond de sens, je vais vraiment aller. Pardon. Ah, c'est pas une quête. Pendant 5 secondes. Oh, faut pas se tirer. Faut pas se tirer, sinon ma truc va partir. Bon. Ok. Top Force et Max. Ah, oh, c'est un Gigamax en plus, ça veut pas remarquer. Il explose. Pas un Dynamax, un Gigamax. T'inquiète. Ah, je pense qu'il était fait, non? Je crois c'est une connerie comme ça, genre. Même si elle a l'air ténèbre. Elle l'a su. Ouais, c'est ça, de type fée! Ah, je me rappelais pas, je savais pas. Plus de Godot, beaucoup plus nord. Dernier mot. Ça a pas l'air fort, donc non. Rosemary, la tristesse est battue. Oh, la tristesse sur son visage, on la sent. T'as vu ça un peu? Tout le monde nous regardait. Et les cris de soutien des supporters, ça fait plaisir. T'es perdu, ouais. C'est la vie.
Mais bon, on a grave mis le feu. Moi, je dis, on est assuré. Je vais rejoindre mon frérot dans les gradins. J'ai hâte de voir qui terminera devant le maître. Faut que je me fasse une idée des autres Salengers. Je sais pas encore qui je soutiens. Toi, peut-être? À voir. Esmeralda, rendez-vous au dernier round. J'ai ma tête en combat, je suis sûr de gagner. Tu peux pas tester contre mon équipe. D'accord. Pourquoi pas? Toutes mes excuses, mais je sais que vous venez à peine de terminer votre combat, mais le combat précédent a tourné court. Le Talendor Nabil a vaincu son Talendor. Son adversaire à la vitesse de l'éclat. Si vous pouviez regagner le terrain de combat au plus vite pour enseigner. Wow, il était vite, Nabil. Mais avant, je vais faire des rappels. Non, il est déjà soigné. Wow. Ok, why not? Go, prochain Stranger. C'est Nabil. Ok. Tu te souviens quand on est parti de Paddockstone? Le frangin venait tout juste de nous donner nos Pokémon et maintenant on est là. À deux doigts d'entrer dans l'histoire. Je m'étais promis de devenir le maître en partant. C'est le moment de vérité. Moi, devenir le maître. Mon œil. Mon œil. Nabil le dresseur veut se battre. Nabil le dresseur voit un mouflon. Pirobu. Pouf. Dire que notre première con s'est passé ces mois dans le jardin, on en a fait du chemin. Ouais, tellement. C'est beau ce que tu dis, mon cher, mais tu vas monter la poussière. Allez. Ah, je savais que t'allais en profiter pour utiliser une attaque super efficace. Ah, oh, ça m'a écrasé. Mouflon et KO. Ronflex. Garde le même Pokémon. Super efficace, double pied. Ah, oh, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu dis ça? Ça m'a aidé d'analyser le match du français. Je vois ça. Je vois ça. C'est bizarre d'entendre mon téléphone sonner. Or, c'est pas mon téléphone qui sonne. Ah. Non, pire but. Fais pas que tu m'as. Pas tout de suite. Très grave. Je vais prendre lui. Équipe, non sac. Un petit rappel sur Pirovu. Là, une guérison. Fuck. Surtout que Ronflex est assez fort. Étincelle. Mais c'est assez résistant plutôt. Ah, c'est la faiblesse en plus. Ouais, c'est vrai, c'est des types seuls, je crois. Critique, yeah, ça y est, tu vas plus pouvoir arrêter.
tacle lourd. Il n'est pas très efficace, mais bon, je suis mort. Ah, j'ai mal au cou, vu que la façon que je suis placé. Bref, je peux pas genre, regarder devant moi. Faut que je tourne la tête, parce que je suis en train de sortir ma suite. Oh, pardonnez-moi, c'est vraiment weird ma position. Bonne Iglali. Lyophilisation. J'aime bien cette attaque là. Ouais. Marteau point, ça va faire mal. Morsure. Marteau point encore. Goupir ou but, je vais essayer. Elle est double pied. On n'a pas trop le choix. De toute façon, on va le tuer. Voilà. Parfait. Damoclès, ça peut être pas mal. Contre coup de boule. Allez, tada, pire vue, à part Damoclès. What a pick. Sur les autres, t'as un Pokémon de type électrique. Oh, c'est pas de Pokémon de type sol. Non, je vais le garder. Go ballon brûlant. C'est quand même assez efficace comme attaque. Corvalius. Bah, je garde. Je garde mon Pokémon de type acier. De type feu. Attention, ok. Go Nitro Sars. Ah, j'ai peur. Ah, Grima, ça va. Go ballon brûlant. Ah. Grima, ça fait quoi? Ça me baisse un truc, non? Ah, ça baisse ma vitesse. Ah, il a été plus... Il est rendu plus rapide que moi. Ça va pas me confuser. Ouais, ça me confuse. Aïe. Bergvry, il est rendu plus rapide que moi. Il a baissé trop ma vitesse. Lui et dans mon sac, j'ai pas trop le choix, gros. Donc un petit rappel max. Ah, il va baisser ma vitesse évidemment. Mon tardis. J'ai peur. Tchou. Ah ben oui, il évite l'attaque parce qu'il est trop fort, hein. Bah oui. Allez. Ben, sa vitesse baisse. Tu m'as fait baisser ma vitesse? Ben, je baisse sa vitesse.
Allez, il est mort, parfait. Après, c'est Gorythmique. Donc, Pyrobu, c'est parti. On va Dynamax pour lui faire mordre de la poussière. Ça part mal pour moi, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Pyromax. C'est parti. De puissance dans ce cri. Et toi le veux, réponds à mon appel, libère l'énergie du Dynamax. Oh my god. Allez, Pyromax. Voilà, il est mort. One shot. Les rayons de soleil brillent en plus. Oh, c'est trop beau. Mais il est mort. Niveau 50. J'avais-tu une habile de dresseur? Le dresseur. Merci Maradla, je suis content qu'on ait pu la faire ensemble cette finale. Oh non, finale? Oh. Oh, ça a été vite. L'affrontement des Challengers ayant remporté le défi des arènes prend fin. La victoire du tournoi des médailles revient à Esmeralda. Oh, trop combat. Tu te souviens quand Sonia nous disait qu'on deviendrait peut-être des héros? Peut-être, pour être honnête, je m'en suis jamais senti capable. Mais toi, tu vas accomplir de grandes choses, je le sens. Bravo à toi, Esmeralda, et à ton Pyrobut et toute ton équipe. Parfait, j'ai fini. J'ai le défi des médailles. Esmeralda, Nabil, bravo. Splendide combat. Franchement, j'ai été ému jusqu'aux larmes. Quand je repense à tout ce que vous avez accompli tous les deux, vous venez du même village, vous avez construit des équipes formidables en partant de rien. Et vous venez de vous affronter en tout donnant tout, cette soif de victoire, ce refus de baisser les bras. Le spectacle que vous avez donné, c'est la quintessence du combat Pokémon. Dire qu'il y avait des dresseurs qui doutaient de vous au début et qui refusaient de vous recommander. Ouais, genre toi, t'as oublié ou quoi? Oh, ça va, je me comprends. Moi, je donne tout quand j'affronte une challenger. Et qui sait, peut-être que cette fois, la challenger, ce sera Esmeralda. En tout cas, je l'espère. Ouais, Esmeralda, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Par contre, je sais pas pour toi, mais moi je suis vanné, je rentrerai bien me reposer à l'hôtel. Il faut refaire le plein d'énergie avant. Tenez, je voulais vous inviter au restaurant. Moi, je me méfie avec toi, pardon, mais t'as des goûts déplorables pour la nourriture. Donc t'es gentil, mais le resto c'est moi qui le choisis. Oh. Allez sur le terrain du stade de Windstorm, d'accord. Challenger Esmeralda, Challenger Esmeralda, un instant, je vous prie. J'aimerais vous poser quelques questions si vous avez une minute à m'accorder. Tarek, le grand maître, a recommandé deux challengers cette année, Nabil et vous-même. Vous étiez donc rivaux en quelque sorte? Comment vous sentez-vous après cette victoire? Je suis super content, j'ai encore du mal à réaliser
Oh, c'était juste un coup de chance. J'essaie d'être modeste quand même. Je vois. Qu'aimerez-vous dire à Nabil à cet instant? Merci, bien sûr, pour ce mode d'exception. Tu es un dresseur extraordinaire. Je n'aurais pu espérer de meilleur rival. Ce respect que vous lui portez, même après la victoire, est assez émouvant, je dois dire. Et maintenant, est-ce que vous pensez être en mesure de remporter le tournoi des champions? Bien sûr que je peux. C'est difficile à dire, je ne sais pas. Ce serait incroyable, mais je ne pense pas. C'est difficile à dire. Bon, assez de questions. Vous voyez bien qu'elle est épuisée. Et vos questions, elles sont bien reloues. On est pressé. Mon frère nous attend. Donc, si vous voulez bien nous laisser, ce serait vraiment cool. D'accord. Mais comprenez que tout Galar se passionne pour la naissance de cette nouvelle star. Et mais en fait, ça a l'air trop galère d'être célèbre. Je me demande bien où le frangin est passé encore, j'ai faim, moi. Quelques heures plus tard. Il est super retard, j'ai méga faim. Normalement, il tient toujours ses promesses de bail. Pardon. Exemple type, il m'avait juré qu'il deviendrait maître, bien, il l'a fait. J'aimerais bien qu'ils prennent aussi les promesses de réseau sérieux. Tu te calmes jamais en fait. Si tu mettais autant d'énergie à te battre qu'à pester contre ton frère, tu irais loin. Ça va, merci, je suis au courant. Mais t'es plutôt mal placé pour me donner des leçons, Peterson. Tu t'invites à dégaine? Si tu juges les gens sur leur apparence, ça m'étonne pas que tu te vautres. Et si tu voulais chercher le maître, il est parti à la Cesrostova, toi. Ah bon, pourquoi? La Cesrostova, il va y faire quoi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je l'ai croisé à la station de monorail. Il m'a dit qu'il allait à la Cesrostova et il m'a demandé de vous prévenir qu'il serait en retard, mais c'était il y a un moment déjà. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Et qu'est-ce qui lui prend autant de temps? Ça m'inquiète qu'il tarde autant à revenir. Ça lui ressemble pas. Peterson, est-ce que tu pourrais nous emmener là-bas? Moi et Esmeralda, on connaît pas trop la ville. Y a pas un frère pour attraper l'autre. Vous passez votre temps à donner des ordres aux gens sérieux. Mais ouais, si cette rose retient notre maître contre son gré, c'est grave. Rater un resto passe encore, mais il nous prive du match ultime avec ses folies. Ça va pas aller. Et je dois avouer que je vous aime bien, vous deux. Je vais vous donner un coup de main. Laisse-moi siffler la team Yell. On va aller faire un petit coucou au président. Un coucou musclé. Ouais, je crois que je commence à prendre goût à l'anarchie à force. Wow. Anarchie! Anarchie! Merci. Non. Qu'est-ce que je fais dehors? Qu'est-ce que je fais dehors? Je suis claqué après mon combat. Je suis contre Esmeralda. Avec la team Yel, Nabil et Esmeralda ont décidé d'aller voir Cesrose. Allez, viens, on va faire ça en famille. Allez, viens. C'est beau tout cet amour fraternel, beau. Beau mais inutile. Liv, le président Cesrose s'entretient avec le maître, c'est une audience cruciale. En conséquence, je ne laisserai personne les interrompre. L'accès à la tour Cesrose Tower est restreint. Seul le personnel autorisé et détenant une clé spéciale peut emprunter le monorail pour y parvenir. Vous n'avez donc aucune chance d'accéder à la tour pour importuner le président. Certes, j'ai bien confié une clé à un membre de confiance du personnel de la Ligue, mais jamais il ne vous la donnera. Ne vous avisez pas de lui courir après, vous ne mettrez jamais la main sur cette clé. C'est pas la peine de me suivre, vous ne me retrouverez pas. D'accord. On fait quoi?
Ça craint, mais pas de panique. La team Yael est là pour nous donner un coup de main. J'espère on va trouver cette clé. Je m'occupe de la zone devant le stade. Parfait, ok. On devrait peut-être aller à la place ensemble, oui. Parfait, on y go. Alors, faut qu'on retrouve cette clé. Allez, c'est parti pour la clé. Voilà, oh, merci, nous sommes Polo. Partis. Hello. Ah, oh, je suis fatigué. Bon, hello, ça va? Merci du follow. Faut qu'on retrouve l'employé de la ligue à qui il va passer la clé. Je sais pas, j'ai pas lu. Je pense qu'il soit 10 000 à porter ses lunettes de soleil aussi ringardes que les siennes. Salut. T'as pas des lunettes de soleil, donc je pense pas que c'est toi. Mais beaucoup trop d'employés. Ça, c'est les mails. Je me demande si c'est ceux-là. Plus, ok. Je me tiendrai ces autres trois à côté. Ouais, ça va très bien aussi. Merci. Je me demande de quoi il parle. Ok. Alors ça reste des clés. On n'en parlera pas de la distance d'affichage. C'est ridicule du jeu. Mais bon. Ok. Toi, l'employé qui fait partie du fan club secret de Madame Liu. T'en parles? Non. Nya. Par là. On s'est déjà parlé. Je suis pas allé par là-bas. N'en trouver. Tout en haut à droite. Oh, wow, je comprends plus rien. Tout en haut à droite. Je sais pas. Ah lui, il a l'air weird, il a l'air vraiment bizarre. Bon. Esmeralda, ce type, il parle. Bah, il regarde le mur, oui. Oui, je vois. Il regarde le mur, il se voit. Bon, il est bizarre. Vas-y, dis-lui un truc tellement choquant qu'il aura pas d'autre choix que de se retourner. Ah, Madame Liv, vous êtes là? Oh, on a la clé. Ça. Quoi? Je me suis retourné et impossible de fuir. Bon, plus le choix, basson. La cabine de téléphone rouge. Ok. Le miaus dégueulasse. Oh. Oh, il est trop dégueulasse ce miaouf. Oh, aucun respect. Dégage. Poum. Voilà. Fermite. Allez, une fermite. Après, tu seras juste sur la droite, tu seras dedans. Merci, attends, moi quand j'encourage quelqu'un, je fais pas semblant. Merci, tu m'as redonné courage. Wow. Tu sais, t'es pas obligé de tout me dire. Quand même. Mais bon. Merci, c'est apprécié. Dis-moi pas tout. Allez. T'es mort. Bah, et ben, je m'en fiche parce que je vais aller me casser. T'es trop nul. Ah, ouais, il court pas trop vite. Je prends un vélo, tu fais pour.
On va voir sa subtilité. Salut. C'est lui. Je le vois. Salut, c'est trouvé. Bah en fait, c'est le seul qui est différent parce qu'il y a des lunettes de soleil. Donc c'est facile à trouver. Bon, c'est pas grave, mais bon. Évite de tout me dire. Mais c'est pas le même parce que d'autres Pokémon sont rompus. En fait, ça doit être le même, c'est juste qu'il y a d'autres Pokémon genre, qui utilisent. Bref. En fait, c'est assez facile de le deviner, il y a juste des lunettes fumées. Genre. Une auto. Allez. Avec moi, ouais. Bon, bref. Allez, Esmeralda, allez. Ouais. Ouais, ma défense a augmenté, c'est trop bien. Peut-être, mais bon. T'es mort. Il va aller se casser à notre place. Bah il est juste là, regardez. T'es pas assez petit. Allez. Grain dur. Il me sort des Pokémon faibles au type feu, donc ça me fait fucking plaisir. Voilà. Ah, c'est vrai, il y a épine de phare. Merde. Mais bon. Pouf, il est mort. Et après, c'est l'ex, go. Je suis là pour t'encourager, est-ce que tu danses encore, Oe? L'attaque est l'attaque spéciale, parfait. Ça va aider pour une troussarde. Même pas... pas ce fort. Je pense qu'on aurait dû attaquer double pied, je crois. Je sais pas. Au double pied. Voilà, t'es mort encore. T'as été battu. Mais voilà, fais comme un ratata. Enfin, c'est ce que tu crois. J'ai bien trop peur pour de me faire contrer par Madame Liv pour abandonner si vite. C'est donc de m'attraper sur le monorail si tu peux. Donc, tu vois que. Hé, la team Yel, allez sur Sinabil. On a besoin de lui. Pour encercler le fugitif à la gare. Parfait. Donc on doit aller au monorail. Ah non, ils étaient quatre différents. T'as fait un super boulot, Esmeralda, tellement super que ça m'inspire une chanson. Une chanson. C'est tout ce que je peux t'offrir. Une chanson afin de vous souvenir. Peut-être inutile, peut-être futile, je ne sentirai pas. Malgré tout ce qui ressemble au bébé. Peterson! Oh, Peterson! Ah, c'est Peterson. Il fait une performance de rue, mais pourquoi? Pour le coup, ce serait plutôt une performance de gare. Allons voir de plus près. Tout le monde sur leurs réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, tout ça. Les exactants sont trop contents, c'est trop bien.
Ah, c'est pour ça. Peterson, on a la clé. On peut prendre le monorail pour aller à la Seth Rostover maintenant. Oh, c'est bien. Les hésitants sont trop swag. Esmeralda, Nabil, c'est maintenant ou jamais. Allez-y. Parfait. D'ailleurs, il faudrait que j'arrête la VOD ici. On est assez loin avec YouTube. Pour YouTube. C'est donc ça la Seth Rostover. Elle a combien d'états cette tour? J'arrive même pas à voir le sommet avec tous ces nuages. Ouais. Bon, c'est quoi le plan? Les copains de la Team Yell sont en train de mettre une rouste aux bourses de la Ligue. Donc, on n'est pas prêt de les revoir. C'est pas faux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, Esmeralda? On part devant. Tu lis dans mes pensées, on récupère ta rac et on s'arrase. Sans mon franzin, t'aurais pas de maître affronté, ce serait embêtant. Esmeralda, t'as déblayé le terrain maintenant à la session Stowaway? Moi, je dis, tu devrais continuer sur ta lancée. Liv est une employée comme une autre, après tout. Elle a planqué la clé du monorail pour faire plaisir à son patron. En parlant de Cesros, je me demande bien ce qu'il fabrique avec le maître. Vous savez quoi? Toute cette adrénaline, ça me rappelle le smashing de quand j'étais gamin. Il y avait des concerts de live complètement déjantés. On savait plus où donner de la tête. Enfin bref, qu'est-ce que vous faites encore ici? C'est à vous de monter sur scène. Allez-y, on vous soutient. Je vais rester ici pour garder un œil sur mon frère. Revenez s'il y a un souci. Lousy Esmeralda. Donc c'est parti. Donc on va sauvegarder ici. C'est parti. Parfait. Et on va arrêter la VOD ici.